We've only got 2 laps of fuel left. Bienvenue à Budapest pour cette nouvelle épreuve de Formule 1. Historiquement, ce circuit est un bon endroit pour décrocher sa première victoire. Button, Hill, Alonso et Heikki Kovalainen en ont tous été la preuve en grimpant sur la plus haute marche du podium pour la première fois ici. Les pilotes auront 14 virages à négocier aujourd'hui tout au long des 4,3 km du Hungaroring. Le circuit est composé de 6 virages à gauche et 8 à droite et la vitesse moyenne est de 193 km/h. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Discutons de McLaren. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Sainz, Lando Norris et Ricciardo, Fernando Alonso, Verstappen, Vettel et Yuki Tsunoda, Gasly, Stroll, Esteban Ocon et Perez, Giovinazzi, Russell, Christian Lundgaard et Kimi Raikkonen, Philippe, Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour.
Okay, pick up rubber and bring it home. L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? C'est en évitant les problèmes qu'ils ont fait la différence. Dans une course où la moitié du plateau ne franchit pas la ligne d'arrivée, il suffit de boucler la course pour obtenir un bon résultat. Avec leur rythme et la stratégie qu'ils ont mise en place, la victoire était quasiment acquise. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison.